Bonjour à tous, alors c'est parti pour un tuto très rapide suite à une question. Alors, comment peut-on faire pour copier l'application de quelqu'un d'autre? Pour ça, en fait, il faut déjà que la personne qui a fait l'application vous donne le droit de la copier. Donc, il va falloir que dans son application, elle aille dans la petite roue crantée sur la gauche ici et qu'elle aille dans Privacy ici et qu'elle autorise les gens à copier notre application. Et il faut aussi que l'application soit partagée du coup. Si je prends cette application ici, hop, et qu'ensuite je vais sur un autre navigateur avec un autre compte, bien sûr, hein. Et bien du coup, je suis sur l'application du compte de test matos et là j'ai la possibilité de copier mon application. Si ici ce n'est pas activé, on a juste share app, donc pour la partager avec d'autres personnes. Mais du coup, en activant ici et en actualisant, on va pouvoir copier notre application. Qu'est-ce qui se passe quand je copie mon application? Donc je dois être connecté par exemple ici avec un autre compte. Et donc je fais copier cette application et je vais du coup la récupérer dans mon application Glide. Donc là, il m'ouvre automatiquement l'application que je viens de copier, elle est ici. Voilà. Dernière petite astuce au cas où, si jamais vous voulez dupliquer vous-même votre application et que vous n'avez pas vu, vous cliquez sur les trois petits points et ici vous faites dupliquer l'application. Donc soit vous gardez le même fichier parce que vous voulez faire une application avec un seul fichier, soit vous le copiez et vous dupliquez votre application. Et voilà, si je reviens, j'ai bien navigation et copie de navigation. Voilà, bon courage à tous! Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la chaîne Test Matos.